Yo yo yo, bonjour à tous et à tous, c'est l'Aplomb Junior de la team Cobloot pour enregistrer une partie du mini-jeu TNT Tag sur le serveur mc.ipixel.net. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus? Bah, parce que j'avais envie de m'amuser, de faire une vidéo, et bon, autant vous en faire profiter, hein. Donc, le concept... Une seconde, j'ai dit. Ah, you... Say hi... Voilà, donc, le concept, c'est que je vais commencer avec, enfin, en tout cas, certaines personnes parmi les 30 vont commencer avec une TNT sur eux et ils devront frapper les joueurs pour transmettre la TNT. La personne qui, enfin, les personnes qui possèdent une TNT lorsque le chronomètre tombe à zéro meurent et explosent. Ça a l'air très simple, mais en fait ça va devenir très très compliqué, surtout à la fin de la, à la fin du match, puisque les au bout à partir du moment où il y aura que 6 joueurs, tout le monde va être téléporté au début de la map. Donc au final ça va finir en des gens qui se tapent, des gens qui tapent, tout le monde qui tape sur tout le monde pour essayer d'éviter aux personnes qui lancent les TNT. J'espère que je suis relativement bon à cette partie. Je suis relativement bon à ce jeu. J'espère que ça va pas foirer. J'espère aussi que Phrase va relativement bien enregistrer pour une fois. Ah, donc je commence sans TNT. Donc vous voyez, ceux avec une TNT ont le mot hit et leur pseudo en rouge. Ils possèdent une TNT sur eux, c'est normal. Et les joueurs qui n'ont pas de TNT sont sous effet speed 2, donc comme les potions de vitesse avec Glowstone. Et les joueurs qui possèdent une TNT ont speed 4. Donc, donc ils sont beaucoup beaucoup plus rapides. Donc attention, là c'est un gros piège, l'échelle, parce que quelqu'un avec une TNT peut arriver et me frapper sans prévenir. Ouais, ça va encore. Ouais, je suis à 20 secondes. Enfin, il reste 20 secondes avant l'explosion. Purée, non. Un mec avec une TNT juste à côté de moi. Il y a Kylian qui me spam en pleine vidéo. C'est génial. Donc. Ah bah voilà, donc 6 personnes sont mortes dans l'explosion. Oula, il y a désormais, je crois, 6 ou 7 joueurs qui se retrouvent avec une TNT. Ça va être un petit peu dur. Bon, peut-être que pour la prochaine vidéo... Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais je viens d'avoir une demande de Skype faite par Kylian, ce qui va être un petit peu embêtant vu que ça fait perdre le contrôle de la souris. Oula, il reste 14 secondes avant l'explosion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et 4 personnes sont mortes. Encore 17. Ça va encore pour le moment. Donc, je le répète, il s'agit du serveur mc.ipixel.net. Un serveur anglais avec beaucoup de mini-jeux, le Quake, le Paintball, le TNT Tag qui est le tout dernier mini-jeu. Un système d'achievement pas mal. Vous le connaissez peut-être parce qu'il me semble que Ape Pierre a fait des vidéos dessus, enfin il paraît. Ah, ça c'est Floriano, l'admin du serveur CraftTech. Peut-être que je fasse une vidéo sur le serveur CraftTech un jour. Étant donné que c'est moi qui ai fait un mode client pour qui améliore notamment la vie sur le serveur, affichage de l'argent, ce genre de truc. Donc je sais pas si ça va laguer au niveau de l'enregistrement, parce qu'en fait je suis en train de faire le montage d'une autre vidéo, à savoir l'ultra hardcore l'épisode foiré, hein, première partie. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent à cette heure-ci. Ah, petite musique. Bon, qui va pas vraiment avec le... Avec la situation. Ah, mais... Oui, parfois, c'est un peu le problème avec les lags. Parfois, c'est difficile d'envoyer une TNT sur quelqu'un. Allez, il me reste 15 secondes. Yes, j'ai refilé. Sept, six,
5, 4, 3, 2, 1. Hop, good game, bon jeu. Et donc, tant qu'il y a moins de... Tant qu'il y a plus que 6 joueurs encore en vie, on n'est pas téléporté au spawn après l'explosion des TNT. Mais après, ça va devenir très hard, le deathmatch, hein, le match à mort. Une seule TNT, tout mon TP au départ. Et croyez-moi, lorsqu'il n'y a plus que 2 joueurs en... qui sont encore en vie, ça devient un petit peu compliqué de ne pas se prendre la TNT. Vu que, au cas où vous n'avez pas compris, si jamais il n'y a plus que 2 personnes en vie, si vous n'êtes pas à TNT, c'est l'autre qui l'a, et donc il va vous poursuivre comme un chewing-gum à une semelle. Oh. Hop là. Donc, chaque fois que vous survivez à des TNT, vous gagnez une pièce qui peuvent être utilisées pour des bonus dans les jeux de TNT sur le serveur ipixel.net. Lorsque vous gagnez un match, vous gagnez 25 pièces d'un coup. Ah, et là, vous voyez, ça c'est le petit défaut, il y a 2 personnes qui se refilent la TNT sans arrêt, et du coup, ça spam un petit peu le chat. Hein. Première fois que je fais une vidéo tout seul, hein, j'espère que je suis pas un petit peu trop bavard. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. C'est vrai qu'en même temps, le TNT Tag, bon, par définition, c'est un jeu où faut être relativement... Enfin, qui est relativement lent. Ah voilà, match à mort, donc tout le monde est téléporté. Voilà, donc il reste 23 secondes, vous voyez à droite de l'écran si vous n'avez pas remarqué. Je suis bien placé pour savoir qu'on remarque pas toujours tout de suite le score qui est à droite de l'écran. Oula, il y a eu un petit lag, je me demande si ça va se voir sur la vidéo. 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc une petite astuce, c'est de spammer le clic de la souris avant une partie, enfin avant qu'il y ait une nouvelle TNT, comme ça, vu que vous êtes téléporté, bah vous allez automatiquement les transmettre, enfin vous allez forcément frapper quelqu'un parce que vous serez téléporté, du coup, bah si vous avez la TNT, c'est l'autre qui va la récupérer automatiquement. Le serveur Pixel, je crois que vous l'aurez deviné, il se situe sur le continent américain, et vu que je suis en Belgique, la connexion a parfois quelques petits défauts. C'est pour ça que quand je cours et je suis à côté d'un mec, lorsque je tape, ça marche pas toujours. La personne qui vient de se déconnecter, ce n'est pas TheFantasio974, hein, vous avez remarqué. Son S, c'est un T, et il y a 5 à la place du 4. Hein. Malheureusement, c'est dommage qu'il y ait autant de personnes qui prennent des pseudos quasiment identiques à ce youtubeur connu. Enfin, en même temps, il a peut-être qu'il a pas copié sur son Fantasio, hein. C'est possible que 2 personnes aient la même source d'inspiration. Mais néanmoins, c'est quand même un petit peu flagrant. Ah, vous voyez en dessous dans le sol, il y a la TNT qui poursuit une autre personne. Ils sont en train de se battre dans le tunnel. Donc nous ne sommes plus que 3, ça va devenir un petit peu hard. Ah, c'est moi qui ai eu la TNT, j'ai su la retransmettre, la refiler à quelqu'un. Oula. Je suis bien en speed 2. Je vérifie qu'il n'y a pas eu un petit bug côté serveur et que j'aurai la TNT sans que ça se remarque. Je vais pas regarder l'effet de... Ah ouais, d'accord, le mec qui m'a poursuivi, il avait la TNT. Il n'y a plus que 6 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Donc c'était une belle vidéo. Enfin, belle vidéo. Une belle partie surtout. Donc c'est la fin de cette vidéo. On va quand même regarder qui c'est qui gagne. Entre... Elman91 et... C'est qui? Dark... Je ne vois pas son pseudo en fait. Darken57. Tiens, il n'est pas dans la liste.
Voilà, donc c'est terminé. Et je vous dis à plus. Je vais peut-être faire une vidéo avec Ian juste après. Hein, ça, de toute façon, vous le verrez sur la chaîne. Hein. Bye bye.